Jésus-Christ. Jamais le Seigneur vous a touché avant votre mort. C'est une grâce parce que beaucoup sont morts. Les gens qui sont, il y a parmi vous des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Et toi, jeune fille, le Seigneur est venu te toucher aujourd'hui. Qu'as-tu fait pour être touché comme ça? C'est la grâce de Dieu. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Tu as perdu quelqu'un qui était proche de toi. Cette mort t'a bouleversé. Cette mort t'a brisé. Cette mort t'a, n'est-ce pas, anéanti. Et le Seigneur te dit, je suis ton Père. Je t'aime. Je te reconnais. Et je veux marcher avec toi. Je veux changer ta vie. Je veux changer ton histoire, mon enfant. Oh Père. Dieu devient votre Père aujourd'hui. Dieu devient ton Père personnel. Jeune homme, Dieu devient ton Père. Pas cet homme qui a trompé ta mère. Pas cet homme qui était dur avec toi, mais pas comme ce Père. Non, Dieu est le Père fidèle qui va te conduire dans toute la vérité, qui va prendre soin de toi, qui va te soigner, qui va guérir toutes les blessures de ton cœur, de ton âme. Ce n'est pas la religion que Dieu veut pour toi. Dieu te dit qu'il va développer une relation personnelle avec toi. Seul Dieu peut changer ton histoire. Père, merci. C'est toi qui le baptise, Soraya, c'est qui le baptise? Pour les femmes, il y a une... Je veux te voir. Suivez, Soraya qui est là. Pour les femmes d'abord, après les hommes. Après les hommes.